So I can see that it is the same architecture in all the even in the east. The east. It is the same architecture. Yeah. Okay. I'm not sure. Because it's quite big. There's a lot of space inside the house. Thank you.
Le couloir est activé. Il y a trois appartements, deux chambres, deux douches. Yeah.
Minutes. Please come. Photo de famille. Photographe, photo de famille. La préfète peut m'assister à la photo de famille, s'il vous plaît. On y va. On enlève le masque pour 2 minutes pour la photo. Secondes. 5 secondes. Chino. Merci. Rentrez. Si nous avons fait l'interview, on va faire le câble derrière. Bouge un peu. Guizana. Sinon, le préfet, vous pouvez pas éliminer. Guizana. Oui. Non. C'est encore la bagarre. Monsieur le ministre, vous êtes dans la région du Sud pour une visite de travail. Vous avez bien voulu marquer un arrêt dans le chantier de construction de la résidence du gouverneur. Qu'est-ce que vous avez vu? Moi, je pense que je suis impressionné par la réalisation de l'œuvre. C'est une preuve que le chef de l'État tienne à valoriser, n'est-ce pas, le travail des autorités administratives. Vous savez, ça commence déjà par un cadre idéal pour travailler, un cadre idéal pour se reposer. Ça, c'est un investissement important. Quand nous étions dans la région de l'Est, vous avez vu un bâtiment similaire. Donc, le chef de l'État a donné des instructions pour ces ouvrages afin que l'autorité administrative puisse se sentir, n'est-ce pas, honorée. Et je crois que c'est aussi une façon de booster le moral, n'est-ce pas, des autorités administratives, surtout des gouverneurs qui ont la charge des régions. Donc je crois quand même que c'est bien réalisé. Et maintenant, nous allons faire face aux défis de l'équipement. Lorsqu'on a construit la maison, ce n'est pas l'équipement qui pourra, n'est-ce pas, nous dépasser. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose. Nous avons entamé la visite d'aujourd'hui avec la réunion de sécurité. Et par la suite, nous avons distribué à plus de 4200 déplacés internes, n'est-ce pas, les dons spéciaux du chef de l'État. Et aujourd'hui, nous visitons la résidence du gouverneur construite sur les hautes directives du chef de l'État. Donc je pense que c'est une journée complète. Nous avons vu de très bonnes choses. Et je crois que le travail des autorités administratives est ainsi valorisé par le chef des chefs des autorités administratives, donc le président Paul Biya. In English, I think that I have seen the construction. I think that the work is well done. As I said last time, we were in Bertrand and we saw that the residence of the governor was also constructed. It's the same architecture, it's the same plan. And I think it is a sign that President Paul Biya wants, has the intention to have the administrative authorities to work in a very conducive environment. You know, when you work in a conducive environment, you have the morale and you can do your job properly. So we started our visit today with the security meeting in the governor's office, and after that we gave the presidential relief package to move about 4,200 IDPs here. They were very happy. Then now we are visiting the residence of the governor, which has been completed. So I think that, you know, President Paul Biya has always given a special touch to the work of local administrative officers. And you can see that at the end of the year, the personnel of Minat benefited from the 60 years retirement age. So whatever the president of the province is doing is to boost the morale of the local administrative authorities. And it starts from the governor who is in charge of the region. So I think that I'm very pleased, and I think that with this investment, it's a very important investment, the governors will make use of it, because President Paul has said it time and again,
you need to work in a very conducive environment so to produce the best of what we as the state expects from you. Thank you. Thank you.